Allez, je vais peut-être vous inviter à rejoindre vos places et demander à notre huissier de faire entrer, je dirais, le public et demander à Renaud Feffer, notre Benjamin, de faire l'appel. J'ai reçu un pouvoir de Monsieur Dupéré à Madame Publier. Madame Christiane Agara, Madame Pascale Bay, à qui on souhaite une bonne retraite. Ah oui, parce que depuis avant-hier à midi, hier, donc on parlera de tout ça après, hein, madame, hein, hors compte rendu. Ah ben, 6 000 jeunes qui vous ont subi, ça mérite un discours. Madame Muriel Blanc, monsieur Jean-Jacques Brun, monsieur Richard Chermette, madame Colette Darfin, Antoine Dupéré a donné pouvoir à Martine Publier, madame Sylvie Pina, monsieur Bernard Fialer, monsieur Didier Fournel, madame Evelyne Geoffrey, bravo, madame Claude Goy, madame Christiane Guichère, président, madame Annick Guinaud, monsieur Daniel Julien, madame Christiane Jury, madame Sheila McCarron, monsieur Bruno Pélachon, monsieur Daniel Pommeret, madame Martine Publier, monsieur Thomas Ravier, madame Mireille Simian, monsieur Michel Thien et monsieur Daniel Valéroux. Rome est atteint, nous allons pouvoir ouvrir cette séance. Je voudrais souhaiter la bienvenue au monsieur Malézieux, maire de Saint-Symphorien-d'Ozon, avec une importante délégation que nous garderons bien évidemment toute la matinée à nos côtés, sauf pendant la partie de la commission permanente où il faudra qu'il sorte. Et nous allons passer à l'examen du rapport sur la tablette 1.1, examen de la commission d'éducation, culture, tourisme, et c'est Martine Publier qui va nous parler du musée de Saint-Romain-en-Galles. Merci, Monsieur le Président. Je vous présente dans ce rapport une convention relative au mobilier issu des fouilles de Sainte-Colombe. Alors, comme vous le savez, l'année dernière, il y a eu, l'occasion d'une construction d'un parc immobilier à Sainte-Colombe, une découverte de 7000 m2 de fouilles avec des belles mosaïques sur un quartier sururbain de la ville antique. Le département du Rhône a bien sûr suivi de très près ces découvertes. Et nous souhaitons l'acquisition de ce mobilier qui représente aussi bien des mosaïques que des objets afin d'enrichir notre collection d'objets archéologiques pour le musée de Saint-Romain-en-Galles. Nous souhaitons également communiquer sur l'importance de ces découvertes qui sont assez exceptionnelles. On a pu le voir lors de la découverte que nous avions de nombreux articles au niveau international et nous allons mettre toute cette découverte en valeur à travers une exposition temporaire. Cette découverte va nous aider également à construire le discours du futur projet scientifique. Donc une grande exposition pour le printemps 2021 puisque nous allons avant restaurer ces mosaïques. Nous engloberons cette découverte dans la refonte du parcours permanent du musée de Saint-Romain-en-Galles. L'État est donc prêt à faire don de l'ensemble du mobilier au musée de Saint-Romain-en-Galles. Nous allons, l'atelier de restauration qui est au sous-sol du musée, restaurer les mosaïques qui seront pris en charge en interne. Et puis les peintures murales, le métal, le verre et la céramique seront faits dans des ateliers spécialisés. L'obligation est de présenter en commission régionale de restauration nos propositions de restauration. Le taux d'aide de la part de l'État sera maximum de 25% et 25% de la part de la région. Il vous est donc proposé de bien vouloir approuver cette convention. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce dossier ? Moi, j'ai visité le chantier de fouilles avec le préfet de l'époque. C'est un chantier absolument impressionnant. Vous avez l'inventaire là qui est ici sur le document qui vous est présenté. Et une fois de plus, c'est le musée Saint-Romain qui récupère ces œuvres. Ça montre la qualité, la technicité de nos agents qui s'exportent aujourd'hui dans le monde entier. Puisque je vous signale qu'a été inauguré il y a quelques jours le musée d'Abu Dhabi et dont une partie des œuvres qui sont exposées ont été faites par les agents du département. Voilà, je trouve que c'est à côté de ça, on aura certainement le fameux dieu océan qui a été racheté par la ville de Vienne, qui va venir en restauration, qui est une œuvre aussi majeure.
voilà, c'est ça, un musée assez fantastique pour lequel on va réfléchir dans les prochains jours à quelques travaux qu'on pourrait y faire pour redéployer, je dirais, le fonctionnement, le cheminement, voire quand même la problématique du restaurant qui ne me satisfait pas, enfin, qui ne satisfait pas aussi beaucoup de gens. Voilà, il faut qu'on revienne. En tout cas, je vous propose de voter ce rapport. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Il est adopté à l'unanimité. Et c'est Mme Bay qui va nous présenter son premier rapport en tant que vice-présidente déléguée au sport. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous avons la chance d'avoir une étape du Tour de France qui traversera le département du Rhône le 13 juillet 2019. Cette course est un événement international. Les 176 meilleurs coureurs cyclistes mondiaux seront en compétition pendant 3 semaines sur 3500 km. Cette 8e étape, qui est longue de 199 km, entre Mâcon et Saint-Étienne, empruntera environ 150 km de route du Rhône. 31 communes seront traversées dans 6 cantons du Rhône, le canton de Belleville, Glaizé, Tarare, Bois-de-Ouin, L'Arbrelle et Vaugneray. Cette étape est classée étape de montagne avec 5 cols franchis et par conséquent, la course sera diffusée intégralement en direct. En plus, cette étape aura lieu un samedi, ce qui promet un public très nombreux. 300 000 spectateurs seront attendus, dont certains dès la veille, ce qui sera source de retombées économiques importantes pour notre territoire. Un journaliste en hélicoptère commentera le patrimoine architectural et naturel de notre territoire, et donc plus de 3 milliards de spectateurs verront tout ceci en direct. 3h30 de diffusion télévisée. L'organisateur nous sollicite pour le bon déroulement de la manifestation et nous demande d'assurer la coupure des routes départementales, la pose des panneaux d'information, le suivi du bon état de la route, l'installation de 1000 bottes de paille pour protéger les obstacles, la signalisation et la collecte des détritus. Tout le personnel volontaire du département sera donc mobilisé. Une réunion d'information à destination des maires, des présidents de PCI, du SDMIS et de la gendarmerie sera programmée en mai à l'hôtel du département. Le temps fort de cette étape se passera à Tarare, avec la mise en place d'un village festif en partenariat avec la ville de Tarare. Nous accueillerons le grand public toute la journée sur le site du Jardin de la Halle. Il y aura des animations vélo, des stands de promotion de l'offre Vélo du Rhône et des écrans installés pour la diffusion de l'étape. Pour mener à bien toute cette belle organisation, un comité de pilotage a été institué. Et d'ailleurs, le prochain COPIL aura lieu donc mardi 2 avril. Le cadrage budgétaire de l'opération s'élève à 115 000 euros, comprenant le poste voirie, la communication et le village festif. Voilà, je vous demande de bien vouloir délibérer sur ce rapport. Merci Madame, je voudrais aussi remercier Michel Thien qui va prendre en main le COPIL, mais aussi remercier le maire de Tarare d'avoir accepté d'avoir le village. Pourquoi Tarare? Parce qu'il fallait un lieu où on pouvait accéder et surtout repartir. Tarare a la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir 2 sorties d'autoroute. Je vous dirais plutôt qu'aujourd'hui, c'est une chance, monsieur le maire. Je vous rappelle qu'on est quand même le samedi 13 juillet, que nous sommes dans des flux d'autoroutiers et routiers extrêmement importants, qu'il faut garder aussi des équipes sur les terres, notamment pour la problématique des autoroutes, parce que souvent, à cette époque-ci, on est obligé de mettre les déviations en place à la charge du département. Donc c'est toute une organisation, c'est plus d'une centaine d'agents qui seront mis à contribution un samedi, ça veut dire aussi des heures supplémentaires. Donc toute une organisation qui se met en place, donc c'est une, je dirais, une œuvre collective, sachant qu'on n'a rien demandé et qu'on a découvert un matin dans la presse qu'on allait avoir le Tour de France, qui est une très bonne chose pour le département et qu'on ne peut pas s'y soustraire, puisque ça relève de l'arrêté ministériel, donc on fera avec et il faut en tirer maintenant, je dirais le profit pour le département en termes de communication et d'image. Je vous rappellerai qu'au même moment ici, il y aura les manifestations du 14 juillet qui se font le 13 juillet ici en préfecture. Voilà. Je mets donc le rapport. Madame, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, tous les problèmes que vous soulevez, enfin les challenges que vous soulevez sont une préoccupation. C'est un événement d'une grande envergure, il mobilise au propre comme au figuré énormément de monde. Très souvent, les gens viennent en voiture pour voir passer les coureurs et on est obligé de fermer des routes. Donc, pour l'avoir vécu dans les Hautes-Alpes, c'est une belle pagaille pour qui veut vaquer à ses préoccupations normales.
La course passe entre autres par Courzieux, qui est un village de notre canton qui est particulièrement encaissé et inaccessible, même en temps normal. Et au vu de la configuration des lieux, les spectateurs seront sûrement garés à des kilomètres du spectacle. Si le cas de Courzieux est particulièrement délicat et plaide peut-être pour un traitement d'exception, la question se pose plus largement. La publicité touristique que vante le rapport sera quand même entachée si on transforme une bonne partie du département en une succession de bouchons. Aussi, dans l'esprit du développement durable et du déroulé sans heurts de cette manifestation, nous vous demandons, on demande aux copiles de réfléchir aux mesures qui permettraient de faciliter l'accès à la course tout en réduisant l'utilisation de la voiture individuelle et l'impact sur les territoires qu'elle traverse. Par exemple, comme les quarts du Rhône ne sont pas consacrés au transport scolaire le week-end, est-ce qu'on ne pourrait pas songer à les affréter? Ce n'est qu'une idée parmi d'autres que vous ne manquerez pas de discuter en copile. Merci. Je n'ose pas croire une seule seconde, madame, que vous êtes contre cette manifestation. Pour revenir d'un mot sur Courzieux, c'est le seul endroit où ça passe sur une route. Monsieur le Président, je n'ai jamais dit que j'étais contre cette manifestation. Je n'ose pas croire, madame, je n'ose pas croire. Pour la partie de Courzieux dont vous parlez, c'est, je crois, la seule partie où ça passe sur des routes communales. Donc, dans la partie Courzieux-Saint-Genis-l'Argentière, de mémoire. Mais je suis absolument sûr de ce que je dis. Mettre les cars à disposition, je ne suis pas sûr que ce soit pas une fausse bonne idée, parce que ça peut-être ça accentuera, j'irai et que les gens qui regardent le Tour de France, soit ce sont des gens qui suivent le Tour de France dans son intégralité d'étape en étape et qui ont leur camping-car, ou soit ce sont les gens locaux. Alors, les transporter de quel point à quel point, je ne voudrais pas que la mairie de Tarare se retrouve sans spectateurs, si on les transportait ailleurs, ils ne seraient pas à Tarare. Donc je crois qu'il faut laisser chacun aller là où il le peut, là où il a envie. Je reconnais que ce n'est pas simple. Et c'est du reste pour ça qu'on n'a pas fait le village comme ça avait été imaginé dans un premier temps à Saint-Laurent-de-Chemousset, parce qu'on ne pouvait ni accéder ni en sortir. C'est vrai que c'est complexe, que les routes sont coupées 3 heures en aval le matin et l'après-midi, et qu'il y a une première partie qui se passe, ce qu'on appelle la caravane, et après il y a le truc, c'est très éphémère, hein, ça va très vite. Mais c'est une journée que, globalement, où les routes sont coupées. Je le redis, c'est le week-end du 14 juillet, avec un flux, je dirais, international dans le département. Ben, il faut faire avec. Moi, j'ai découvert ça un matin dans la presse, et c'est comme ça. Voilà. Alors, mettre les bus du département, dont on a plus la gestion entre nous, je crois bien, ça serait un coût supplémentaire. Ce n'est pas 115 000 euros qu'il faudrait prévoir, ça serait, à mon avis, deux fois plus. Et repayer des gens en heures supplémentaires pour transporter, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur moyen d'aller sur les routes. Et si on mettait des quarts du Rhône sur la route communale de Courzieux, ça veut dire que le Tour de France n'y passe plus. Voilà. En tout cas, je mets le rapport au vote tel qu'il a été présenté. Qu'est-ce qui s'abstient? Qu'est-ce qui vote contre? Il est adopté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Et c'est Madame Annie Guinaud sur le fascicule 2 qui nous présente le rapport suivant. Merci, Président. Donc, ce rapport qui vous est présenté aujourd'hui concerne la politique d'insertion du département qui comporte 3 volets. Le programme départemental d'insertion 2019, le fonds d'aide aux jeunes et le fonds d'appui aux politiques d'insertion. Le programme départemental d'insertion pour l'année 2019, tout d'abord, qui présente les actions conventionnelles financées par le département en matière d'insertion sociale et d'insertion par l'activité économique, en dehors des actions en faveur de l'insertion professionnelle désormais intégrée au sein d'un marché public biennal. Au titre de l'insertion sociale, il vous est proposé un budget de 502 000 euros comprenant la reconduction de 12 actions à l'identique concernant l'insertion des publics en grande fragilité et des publics spécifiques, le soutien de 4 nouvelles actions compte tenu de leur intérêt pour les publics, le non-renouvellement de 7 actions détaillées en annexe. En matière d'insertion par l'activité économique, il vous est proposé d'approuver les conventions correspondantes au financement de 1 200 000 euros pour la structure RIE, dont 560 000 euros pour la réalisation de jours de chantier pour le compte du département, près de 300 000 euros dans le cadre de conventions conclues avec 8 autres ateliers et entreprises d'insertion. Le second volet porte sur le fonds d'aide aux jeunes, pour lequel il est proposé de réorganiser le dispositif d'attribution des aides individuelles avec la mise en place d'un guichet unique pour l'ensemble des jeunes du territoire via les missions locales. Ce nouveau dispositif devrait permettre d'améliorer l'équité territoriale du dispositif.
au titre de l'année 2019. Il vous est proposé d'approuver un budget global de 81 000 euros pour le FAGE, en augmentation de 6 000 euros par rapport à 2018, comprenant les aides individuelles et les actions départementales détaillées dans le rapport. Le troisième volet, enfin, concerne le Fonds d'appui aux politiques d'insertion, le FAPI, incitation financière destinée aux départements volontaires dans leur politique d'insertion, s'inscrivant dans le cadre de la convention signée avec l'État le 24 avril 2018, pour lequel il vous est proposé d'approuver le bilan 2018 annexé au rapport. Je vous remercie donc de bien vouloir délibérer sur l'ensemble des propositions du présent rapport, à savoir approuver la programmation départementale d'insertion, PDI, déclinée dans le présent rapport, autoriser la signature des conventions correspondantes relatives à la référence de parcours ou à des actions et leurs avenants éventuels en cours d'année, ainsi que les avenants de prolongation pour les conventions renouvelées à l'identique, approuver les conventions à destination des structures d'insertion par l'activité économique, approuver la réorganisation du fonds d'aide aux jeunes, la répartition du budget qui lui est consacré entre les dépenses relatives à la régie départementale, les fonds locaux destinés aux missions locales et les actions départementales et autoriser la signature des conventions et approuver le bilan 2018 de la convention du fonds d'appui aux politiques d'insertion entre le département et l'État tel qu'il est annexé au présent rapport. Je vous remercie. Si, est-ce qu'il y a des interventions ? Monsieur le Premier vice-président. Je pense que ce rapport, il marque l'implication qu'a le département pour aider nos concitoyens les plus fragiles, voilà, et les bénéficiaires du RSA. C'est un travail de longue haleine, démarré dès notre première séance du Conseil départemental, qui avait eu lieu à Saint-Mamère, qui maintenant s'appelle De Groune, c'est ça ? Ouais. Où on avait lancé le plan de contrôle, les plans de contrôle sur le RSA, et qui portent leurs fruits. Mais au-delà du contrôle et l'accès au juste droit, ce qui est porté par Annick Guinaud, qu'on remercie, c'est l'accompagnement au plus proche, en faisant du coût humain des bénéficiaires du RSA. Et on voit que, alors qu'il y a nombre de départements hein, qui, vu les restrictions budgétaires qui nous sont imposées par l'État lui-même qui a abandonné une grande partie des contrats aidés, eh ben nous, on poursuit une dynamique d'accompagnement de ces publics en visant l'insertion par l'activité économique, en demandant à nos partenaires et à ceux qui sont en fait, et nos partenaires, mais aussi nos prestataires, non plus une obligation de moyens mis en œuvre, mais on leur demande maintenant une obligation de résultats et on pourra évaluer chaque année la pertinence des actions qu'on mène pour notre politique d'insertion. Et notre dynamique, elle est récompensée parce que l'État vient abonder dans le cadre du FAPI le fait que le département fournisse un effort particulier pour accompagner les publics bénéficiaires du RSA. On a parlé des RIE où on espère que les territoires vont se mobiliser à fond parce que la structure a changé, a été reprise. On a contribué d'ailleurs au maintien de cette structure. Maintenant, c'est au territoire à la fois de se rendre compte qu'ils ont un intérêt à embaucher, à passer par RIE pour des travaux sur nos sentiers, sur nos cours d'eau, sur la propreté, parce qu'on, à la fois, on permet à des publics en insertion de retrouver le chemin de l'activité, et à la fois, on arrive à résoudre des difficultés qui nous sont propres, notamment pour les maires, les présidents de communautés de communes, les présidents de syndicats, sur l'entretien de nos espaces publics, de nos espaces verts, de nos sentiers de randonnée. Et le département lui-même prend sa part belle dans le financement
de RIE, comme on le voit dans ce qui nous est présenté aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que, merci Annick, il y a aussi les présidents de CLI qui participent et qui suivent cette politique d'insertion. Ce n'est pas un job qui est toujours facile d'être président de CLI, mais ce qu'on voit, c'est que la stratégie mise en œuvre depuis 2015, eh ben, elle produit ses résultats. Ce sujet, on a entrepris avec plusieurs vice-présidents la tournée des comités de communes, et on fera aussi les comités d'agglomération pour présenter la nouvelle politique et dire la vision avec RIE du département. On sera la semaine prochaine à la COR, le 4 avril, à Cublize, c'est ça. Et on fait ANS aussi en début de semaine, et ça me permet, on avait... Dans la version d'avant, on faisait venir les présidents de communes pour une réunion de travail, et on a pensé que c'était plus logique, plus simple de faire une réunion avec l'ensemble des acteurs des comités de communes. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit le fonctionnement qui est complètement différent des comités de communes, la vision des élus des territoires qui est complètement différente, et l'approche territoriale qu'ils ont qui est complètement différente. Je vous ferai mon retour personnel les 13 à la fin, parce qu'il y a... Je sais qu'en ce moment, les législateurs travaillent sur ce que pourrait être une redéfinition des actes territoriaux. Il y a peut-être là un petit travail à faire sur certaines collectivités. Je mets donc le rapport aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre, il est adopté à l'unanimité. Je redonne la parole à Renaud Feffer pour le rapport suivant. Fascicule 2, toujours tablette 3.1 sur le CAUE. Oui, alors très rapide, parce qu'on a une convention qui nous lie au CAUE, enfin qui lie le CAUE, la métropole de Lyon et le département. C'est la contribution du département de 510 000 euros au CAUE. Donc il s'agit d'affecter une fraction du taux de la taxe d'aménagement au CAUE. Vous avez tous les détails dans le rapport, et Christiane Agara suit de très près, en tant que vice-présidente, le dossier du CAUE. Si est-ce qu'il y a des interventions ou pas d'interventions, je mets le rapport au vote, pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Je présente le rapport 3.2 de la tablette. C'est des désignations dans des organismes extérieurs ou des recalages, notamment la commission qui suivra les élections européennes. Bien évidemment, c'est des désignations qui n'ont... Je dirais que le facteur temporis, que le temps de l'élection, c'était vu en conférence des présidents, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc je le mets au vote, je le mets aux voix, pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Et je passe la parole pour la partie conséquente de cette séance publique, ce qui touche, je dirais, à nos finances. Madame Agara, vous avez la parole sur le rapport 3.2 sur les reprises anticipées. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous savez que cette reprise anticipée des résultats de l'année antérieure dans les budgets primitifs qui se préparent est une faculté qui est laissée aux collectivités territoriales. Pour notre collectivité, et nous allons le voir tout de suite dans le budget primitif 2019, c'est une possibilité essentielle pour assurer l'équilibre de notre budget. Alors, comme l'an passé, il vous est donc proposé de retenir cette possibilité pour le budget primitif 2019. Alors, les chiffres qui vont être à reprendre, les données qui vont être à reprendre pour 2019 vont être les suivants. En ce qui concerne la section de fonctionnement, donc le résultat cumulé 2018 de cette section est de 88 481 550,65 euros. Bien sûr, nous devons affecter obligatoirement une partie de ce résultat au déficit de la section d'investissement qui s'élève à 19 088 916,22 euros et le surplus, c'est-à-dire 69 392 634,43 euros, sera repris au BP 2019. Du côté des investissements, donc, nous venons de voir qu'une partie est affectée à ce déficit de 19 millions et le besoin de financement donc de cette section d'investissement étant couvert par ce déficit est de 19 088 916,22 euros.
Alors, bien sûr, ce n'est qu'un résultat, provisoire, hein, puisque les résultats définitifs de l'exercice 2018 seront établis, seront votés lors du compte administratif et une délibération spécifique vous sera proposée dans quelques semaines. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté à l'unanimité. Et je vais redonner la parole à Christiane Agara pour la présentation du budget. Peut-être un mot en amont. C'est notre quatrième budget de notre mandat. Donc c'est un budget qui a nécessité, comme tous les autres, beaucoup, beaucoup de temps de préparation. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué. Bien sûr, Christiane Agara qui va nous le présenter, mais Renaud Feffer dans sa délégation de vice-président aux finances. Mais tous les collègues qui ont été auditionnés, qui ont apporté leur contribution à l'effort qui nous est demandé, dans la vision de zéro impôt nouveau, ce qui sera notre fil conducteur jusqu'à la fin du mandat, avec aussi faire en sorte de pouvoir mener à bien nos souhaits, avec une diminution, je dirais, des soutiens de l'État, le pacte financier qui nous impacte, et la vision que nous devrons avoir sur des décisions lourdes en termes de route. On a travaillé hier sur une programmation des routes et on en parlera dans quelques jours sur ce que sera la vision sur nos routes avec des dossiers importants. Et puis, je crois que le point le plus important et l'édition importante, ce sera le choix d'un nouveau collège, si ce n'est deux, sur une partie sur le Val-de-Saône et l'autre sur l'Est lyonnais, parce que là, on est pénalisé par, pardonnez-moi, mais la non-prise de décision qui a été faite ici dans cette institution et qui va nous falloir gérer. C'est l'équivalent d'un 600, d'un 600 qu'on prend chaque année. Et cette décision, nous devrons la prendre dans les prochains jours, donc on l'anticipe budgétairement. Je voudrais remercier, bien sûr, tous ceux qui ont contribué à l'élaboration, M. Tardikové, Mme Hentin, qui sont ici, mais aussi ne pas oublier notre payeur, qui suit au quotidien les travaux, Marie-Chantal Kopp, qui suit aussi. Une autre vision budgétaire, c'est ce qu'on a la certification des comptes, pour lequel nous sommes aussi, font partie seulement des 4 départements de France dans cette vision de certification des comptes. Merci à vous tous, les efforts que vous avez consentis dans vos délégations, dans vos liens. Nous nous sommes nous-mêmes appliqués une baisse de diminution sur nos dotations, même si la presse a trouvé qu'elle était modeste. Mais ces 850 000 euros que l'on a à notre main sont réinjectés sur les territoires, parce qu'aujourd'hui, la dotation parlementaire n'existe plus. Et on fait, c'est 95% de ces dotations que nous avons sont redonnées dans l'ensemble aux associations des territoires. C'est une politique de la maison qui avait été mise en place, que nous n'avons pas retouchée, mais nous avons pris en compte la diminution de ce que pouvait être aussi l'effort commun dans lequel chaque élu s'y devait contribuer. Madame Agara, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, que dire donc de ce budget primitif 2019 ? Donc, dans le prolongement de notre débat d'orientation budgétaire, il s'est construit, comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Président, dans un contexte économique et financier incertain. Alors, je souhaiterais vous dire qu'il y a 4 choses à retenir pour ce budget. Tout d'abord, un cadre. Ce cadre, c'est pas d'augmentation de notre fiscalité. En effet, nous maintenons notre engagement de geler la pression fiscale exercée sur nos concitoyens, puisque le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties reste inchangé depuis 2013 et il le sera jusqu'à la fin de ce présent mandat. Ensuite, vous n'aurez qu'à retenir 3 chiffres, 0,31%, 85 et 78,5 millions d'euros. Une fois que vous aurez retenu ces 3 chiffres, eh bien, vous aurez l'articulation de notre budget pour cette année 2019. 0,31%, c'est le taux de progression de nos dépenses de fonctionnement. Autrement dit, avec près de 438 millions d'euros, elles sont stables et sont donc maîtrisées. Elles permettent de financer des prestations et des services aux Rhodaniens de qualité en mettant l'accent sur les politiques autonomie, enfance, famille, insertion, qui constitue l'épicentre de notre action. Deuxième chiffre à retenir, 85 millions d'euros. C'est la somme que nous investirons dans nos projets. Avec ce niveau d'investissement soutenu, nous maintenons notre soutien au territoire, nous inscrivons les collèges au cœur de notre programmation pluriannuelle,
Nous mettons en place des dispositifs novateurs pour soutenir le monde agricole et nous faisons un effort particulier sur l'enveloppe qui est dédiée à la réfection des chaussées et des accotements. Troisième chiffre, 78 562 000 euros. C'est l'autofinancement de nos investissements. Grâce à nos efforts réalisés sur notre fonctionnement, nous finançons ainsi ces investissements à près de 59% par cet autofinancement et nous limitons le recours à l'emprunt. Nous poursuivrons en 2019 notre désendettement puisque notre stock de dette devrait se réduire de 5 900 000 euros. Ainsi, le budget 2019 présente un montant équilibré de dépenses et de recettes à hauteur de 755 409 euros. Si l'on soustrait les opérations d'ordre et l'autofinancement, il s'établit à 652 millions d'euros et hors gestion active de la dette, le budget opérationnel s'élève à un petit peu plus de 572 millions d'euros. Hors reprise du résultat de fonctionnement 2018 de 69 393 000 euros, nos recettes réelles s'élèvent à 502 625 000 euros et se répartissent à hauteur de 446 887 000 euros en fonctionnement et 55 738 euros en investissement. Hors reprise du résultat 2018, les recettes de fonctionnement sont en baisse de 2,45%. Ceci s'explique par quatre raisons. Tout d'abord, la fin des recettes issues de la clause de rencontre avec le Citral, qui, je vous le rappelle, était de 18 205 000 euros. D'autre part, la stagnation de la DGF, qui est évaluée à 47 928 000 euros, soit un peu moins qu'en 2018, et une diminution de 3,56% de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Troisième raison de cette diminution, ce sont les dotations de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant de 20 129 000 euros et le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion de 1 150 000 euros qui ne compense que faiblement la compétence sociale du département. Enfin, la fin du mécanisme de reversement de la taxe d'aménagement à la métropole en 2019 contribue à cette minoration de nos recettes, d'autant plus que l'État demande le remboursement de près de 1 308 000 euros d'indus de cette taxe. Donc pour les modalités pratiques de ce remboursement, nous sommes en discussion avec les services de la DGFiP afin d'obtenir éventuellement un étalement de ce remboursement sur le temps. Quant à nos dépenses réelles d'investissement, elle s'élève à 195 211 000 euros, dont 84 827 000 euros seront dédiés à des projets d'investissement nouveaux. Nos dépenses et recettes réelles d'investissement diminuent du fait de l'optimisation des crédits liés à la gestion active de la dette. Ceci représente une diminution de 20 millions d'euros. Notre autofinancement, bien qu'en légère diminution de 2%, continue de nous permettre de financer dans de bonnes conditions nos dépenses d'investissement. Ainsi, ce sont près de 59% de ces dépenses qui sont financées grâce à lui. Dans ces conditions, l'emprunt est maintenu à 24 500 000 euros. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur la décomposition et sur la constitution de cet autofinancement. En 2019, notre autofinancement, donc de 78 562 000 euros, se décompose en 9 169 000 euros provenant d'un excédent des recettes réelles de l'exercice sur les dépenses réelles de fonctionnement. C'est notre épargne brute. Les 69 393 000 euros, de part, sont le résultat de l'exercice 2018 que nous venons de reprendre par anticipation. Ce dernier représente ainsi 88,33% de notre autofinancement, alors qu'il était de 72,86% en 2018. Ce poids dans notre autofinancement
traduit notre dépendance à la reprise anticipée du résultat pour alimenter notre autofinancement. Nos recettes réelles de fonctionnement d'un montant de 446 887 000 euros hors solde antérieur reporté sont en diminution de 2,45%. Avec un peu plus de 247 millions d'euros, la fiscalité représente plus de 55% de nos recettes de fonctionnement, très largement devant les dotations de l'État, qui, avec 90 millions d'euros, ne représente plus que 20,31%. Nos recettes fiscales évoluent grâce à l'attractivité et au dynamisme de notre territoire. La taxe foncière des propriétés bâties est prévue pour 2019 à 63 197 000 euros. Elle est en progression de 2,32% par rapport aux produits perçus en 2018. Ceci est dû d'une part à la croissance physique de nos bases de 0,84% et à la revalorisation de 2,16% décidée par la loi de finances. La contribution à la valeur ajoutée des entreprises est inscrite à hauteur de 30 598 000 euros. Sa forte progression de 6,87% par rapport au budget primitif 2018 traduit l'attractivité de notre territoire pour les entreprises. Avec 75 millions d'euros, les droits de mutation constituent la première recette départementale et connaît depuis 2015 un fort dynamisme. Ils sont évalués en progression de 7,14% pour 2019 et la prévision de 75 millions d'euros que nous inscrivons au budget est une prévision prudente qui tient compte d'un éventuel ralentissement du marché de l'immobilier. Enfin, la taxe sur les conventions d'assurance destinée à financer les transferts de compétences liés à l'acte 2 de la décentralisation et à financer le SDMIS aura un rendement anticipé en progression de 2,84% en 2019 par rapport à 2018. Nous attendons à ce titre 22 678 000 euros. Alors, on voudrait vous faire un petit focus sur la taxe foncière des propriétés bâties, la taxe foncière en général, propriétés bâties ou non bâties. Et conformément à nos engagements, le taux de la taxe foncière ne progressera pas en 2019. Avec un taux de 11,03% pour un taux moyen national de 16,25%, nous restons le troisième département métropolitain avec le taux le plus bas, derrière Paris et les Hauts-de-Seine. L'article 22 de la loi du 22 janvier 2018, dite de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, fixe la trajectoire des concours financiers de l'État. Jusqu'en 2022, le montant de ces concours était plafonné pour respecter une trajectoire de redressement des comptes publics. Ceci signifie que pour financer des dépenses nouvelles, l'État doit composer avec une enveloppe fermée, ce qui induit une baisse d'autres dotations. La DGF, qui constitue le premier concours de l'État, a été légèrement modifiée par la loi de finances pour 2019, mais ces modifications ne seront pas significatives pour le département. Avec 47 888 000 euros, elle est anticipée légèrement à la baisse de moins 0,5%. En revanche, d'autres concours de l'État subissent des baisses en raison de la norme d'évolution des concours financiers de l'État. En effet, les mesures nouvelles décidées doivent être compensées par des baisses équivalentes d'autres concours. C'est le cas de la dotation de compensation de la taxe professionnelle qui, inscrite au BP 2019 pour 9 410 000 euros, sera en baisse de 3,56%. Enfin, les autres recettes, constituées essentiellement de celles des services, sont quant à elles en progression de 8%. Alors, la vision sur nos recettes ne serait pas complète si nous ne faisions pas un focus sur l'impact de la péréquation sur ces recettes.
Vous l'avez souligné, Monsieur le Président, en 2019, un nouveau fonds de péréquation a été institué par la loi de finances. C'est le fonds de soutien interdépartemental qui renforce la péréquation horizontale. Doté de 250 millions d'euros, il est destiné à améliorer la péréquation actuelle des ressources entre les départements et à réduire plus efficacement les inégalités de richesse, notamment celles provenant des droits de mutation à titre onéreux. Ainsi, le département du Rhône devrait être contributeur à ce fonds en 2019 à hauteur de 1 711 000 euros, passant ainsi nos dépenses de péréquation à près de 13 millions d'euros. C'est la rançon du dynamisme d'un département comme le nôtre. Quant à nos recettes d'investissement, qui s'élèvent à 36 646 000 euros hors gestion active de la dette et couverture du déficit d'investissement 2018, elles complètent l'autofinancement de 78,5 millions d'euros et sont principalement constituées par les emprunts nouveaux de 24,5 millions et le fonds de compensation de TVA de 5,1 millions d'euros. Alors, l'ensemble de ces recettes sont destinées à financer nos différentes politiques. En 2019, l'investissement représentera 20,14% de nos dépenses réelles hors gestion active de la dette. Hors annuité de la dette, la part de l'investissement constitue près de 15% de nos dépenses réelles totales. En 2019, notre budget opérationnel, qui couvre nos dépenses de fonctionnement et d'investissement, ainsi que l'annuité de la dette, s'élève à un peu plus de 572 millions d'euros, dont 410 486 000 euros pour nos dépenses d'intervention qui traduisent les engagements du Rhône. Dans ce montant, le secteur social, avec 236 377 000 euros, continue de représenter la majeure partie de nos dépenses avec un pourcentage de 69%. Il marque l'implication de notre collectivité dans la mise en œuvre des dispositifs d'aide à la personne pour répondre au mieux à une population dont les besoins sociaux croissent régulièrement. Ainsi, le département reste le vecteur de l'action sociale sur le territoire et renforce sa légitimité comme acteur principal des politiques de solidarité. Si nous détaillons nos dépenses d'intervention majeures, la politique enfance, famille, santé, autonomie, insertion et aide au logement représente 70% du budget d'intervention. 61 663 000 euros seront consacrés à l'enfance, la famille et la santé pour continuer à maîtriser le risque dans une certaine limite attachée au financement des MNA. La dépense prévisionnelle pour l'accueil des MNA et des ex-MNA jeunes majeurs pour 2019 est d'environ 9 700 000 euros. Deuxième objectif, c'est pallier la diminution importante du nombre d'assistants familiaux que nous essayons de contrebalancer par le développement du placement externalisé. Enfin, troisième objectif de cette politique consacrée à l'enfance et à la famille, c'est soutenir les établissements de l'aide sociale à l'enfance dans leurs travaux de rénovation avec une ligne de 500 000 euros. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat territorial, les collectivités pourront solliciter notre soutien pour leurs projets dans ce domaine, dans la continuité du fonds d'investissement exceptionnel créé en 2018. Près de 131 millions d'euros sont budgétés pour la politique autonomie. 2019 sera une année charnière dans le renouvellement d'un partenariat engagé et responsable avec les structures pour personnes handicapées. Un nouveau règlement d'aide sociale, recueil des dispositions réglementaires et vecteur de notre stratégie en matière d'accompagnement des aînés sera proposé en 2019. Nous proposerons ainsi la prise en compte de dépenses exceptionnelles telles que l'optique ou les frais dentaires pour les personnes âgées bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement. Après un an de fonctionnement, nous évaluerons et nous poursuivrons le contrat de partenariat signé avec les services d'aide à domicile.
Pour 2019, les enjeux de la politique d'insertion sont doubles. Maîtriser la dépense RSA, notamment à travers le plan de contrôle. Il est à noter que malgré toutes les actions conduites pour maîtriser le nombre de bénéficiaires du RSA, cette dépense ne cesse d'augmenter. Elle a augmenté de 1 million d'euros entre 2017 et 2018, et pour 2019, il est proposé une augmentation de 1 million d'euros. Deuxième enjeu de cette politique est le renforcement du volet insertion professionnelle du plan départemental d'insertion, avec la mise en place d'un accompagnement beaucoup plus dynamique des bénéficiaires dans leur parcours d'insertion, en leur proposant de façon systématique des offres d'emploi correspondant à leur profil et susceptibles de les faire sortir durablement du RSA. Quant aux enjeux de la politique d'aide au logement, ils sont triples. Développer le volet préventif du FSL, assurer une continuité de la prise en charge du volet accès du FSL, qui est désormais confié à l'UDAF 69, et poursuivre le développement des baux glissants sur le territoire. En matière de soutien et de promotion du sport, les enjeux 2019 sont d'achever et promouvoir le PDIPR, de développer le sport de nature, de soutenir le monde sportif à long terme en conventionnant avec les comités et les clubs et par le biais d'événements sportifs tels que Sport en Fête, le Trophée des As, le Rondeur. C'est au total 682 000 euros qui sont affectés au sport. Quant au soutien à la vie associative rhodanienne, il s'articule autour de deux axes. L'amélioration de l'accompagnement des associations via l'espace associatif du Rhône et le soutien que nous leur apportons par le versement de subventions d'aide au fonctionnement. 712 800 euros leur seront consacrés. Les grands enjeux de la politique culture pour 2019 s'articulent autour de la continuation de la mise en œuvre du schéma départemental d'éducation culturelle et d'enseignement artistique, du développement de partenariats de coopération culturelle avec tous les EPCI du territoire, de la mise en service de la nouvelle médiathèque départementale de Chaponneau et la mise en œuvre du nouveau projet d'établissement de lecture publique, du travail sur l'identité et le rayonnement du musée site gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles avec son atelier de restauration de mosaïques et tout ce que nous venons d'adopter précédemment. Au total, 5 500 000 euros sont affectés à notre politique culturelle. Désormais conduite en régie, la politique touristique du département prévoit, à travers des missions d'organisation ou de participation à des manifestations touristiques, de faire rayonner les différentes actions du département, d'accompagner les acteurs et partenaires touristiques et de développer des labels et des innovations technologiques. Les dépenses sont proposées à hauteur de 284 000 euros. L'entretien et le fonctionnement des 33 collèges publics et le subventionnement des 18 collèges privés répartis sur notre territoire sont une de nos priorités. Ces collèges accueillent près de 26 700 élèves. Compte tenu de l'attrait de notre territoire, nous constatons une évolution démographique plus que dynamique. À la rentrée scolaire 2018, nous avons accueilli 500 élèves supplémentaires, ce qui correspond à l'équivalent d'un nouveau collège. Ceci nous conduit en 2019 à poursuivre nos travaux de rénovation-restructuration dans les collèges Jean Zé à Brignais, Pierre de Ronsard à Mornant et Val d'Ardur à Beaujeux, totalisant un investissement de 5 909 000 euros. Ces projets arriveront à terme en 2019. En outre, nous commencerons l'extension de la demi-pension du collège Le Prince Ringuet à Genasse et nous démarrerons les études de maîtrise d'œuvre pour l'agrandissement du CDI et l'optimisation de la mezzanine du collège Jacques Cœur à Lantilly. Pour ces deux opérations, les crédits inscrits s'élèvent à 1 710 000 euros. Enfin, nous rembourserons 1 300 000 euros à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les travaux qu'elle a réalisés pour notre compte dans la cité scolaire Claude Bernard à Villefranche.
Mais cette évolution démographique nous conduit à réfléchir sur le dimensionnement de nos bâtiments. Après avoir travaillé sur la sectorisation, la restructuration et l'agrandissement de l'existant, une évidence se fait jour. La nécessité de construire un nouveau collège dans les toutes prochaines années. Ceci rend obligatoire la réflexion sur notre plan pluriannuel d'investissement afin qu'ensemble et collectivement, nous décidions des priorités et de leur ordre, car tout ce qui est déjà inscrit dans notre PPI ne supportera pas cette nouvelle obligation. En d'autres termes, certains projets devront être écartés ou tout au moins redimensionnés. Un travail sur cette PPI vous sera proposé d'ici la fin du premier semestre et nous trancherons ensemble sur ce qui sera notre politique d'investissement dans l'avenir. Autre enjeu de la politique collège pour 2019, c'est l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan numérique éducatif départemental suite à l'arrêt par l'État de ce dispositif. Enfin, nous élaborerons une programmation pluriannuelle de remplacement des équipements de restauration scolaire. La politique mobilité est aujourd'hui recentrée principalement sur son aspect voirie. Nos investissements sont budgétés à hauteur de 8 935 000 euros et un effort particulier sera fait pour l'entretien de notre réseau routier avec une enveloppe de près de 9 800 000 euros, dont 2,6 millions pour la réfection des chaussées afin d'assurer la sécurité des usagers. L'aménagement du carrefour des Sept Chemins réalisé sur les communes d'Orliena, Vourles-les-Briniers, constituera la principale opération réalisée en 2019 et s'élève à environ 1 million d'euros. La mobilité, c'est également permettre aux 460 enfants souffrant de handicap d'être transportés vers leur établissement scolaire. En 2019, cela représente un budget de 3 164 000 euros. Je vous rappelle que la compétence transport transférée en 2017 à la région a donné lieu à une attribution de compensation de 17 243 000 euros. En 2019, les enjeux de la politique développement des territoires se concentrent sur trois points. Le soutien au monde agricole, exploitants et partenaires, grâce notamment au programme de développement rural, avec une enveloppe de 800 000 euros, et à travers le déploiement d'un dispositif de protection contre la grêle, avec une subvention totale de 300 000 euros, dont 200 000 euros seront versés en 2019. L'aide aux agriculteurs en instaurant un plan sécheresse départemental doté de 200 000 euros de crédit. Et enfin, ce développement des territoires se traduira par le maintien du soutien apporté à la production de logements sociaux à travers notre participation à l'OPAC. En 2016, le Rhône a réaffirmé sa volonté d'aider les collectivités territoriales au titre de la solidarité territoriale. Cela se traduit par la mise en place d'une démarche annualisée sous la forme d'appel à projets. En 2019, malgré des contraintes budgétaires toujours présentes, nous continuerons cette aide en lançant le quatrième appel à projets et le département reste ainsi le premier partenaire financier des communes et des EPCI. Ainsi, 30 701 000 euros sont inscrits au budget 2019, avec un fonds spécifique prévu pour soutenir l'enfance et la petite enfance, les seniors pour rompre leur isolement, la mutualisation des équipements sportifs, la protection de la ressource en eau. En complément de cette aide, nous optimiserons la gestion des fonds européens par une solidarité renforcée. Toutes ces actions ne pourraient pas être menées en bien sans une politique des ressources de l'institution efficace. Cette politique couvre notamment les RH. Compte tenu de l'effort des maîtrises des dépenses de personnel durant les années 2016 à 2018, et malgré des évolutions notamment réglementaires prévues en 2019, le budget fait apparaître une diminution des dépenses pour s'établir à 95 700 000 euros. Il s'agit de la masse salariale totale étant précisée
qu'une partie de cette masse est ventilée dans les différentes politiques départementales. Nous confortons ainsi nos efforts de la masse salariale tout en œuvrant à la promotion et à la valorisation de nos agents. Autre enjeu de notre politique ressources de l'institution, c'est l'engagement des travaux d'implantation de la Maison du Rhône de Villefranche-sur-Saône et la poursuite de la rénovation des bâtiments départementaux. Enfin, en 2019, nous poursuivrons la modernisation des services aux usagers et des outils numériques du département avec la dématérialisation, l'archivage électronique et la modernisation des moyens de paiement. Soutenir le SDMIS à travers une revalorisation de 1% de notre participation et réfléchir à un versement de celle-ci à travers une subvention d'investissement constituent les axes de notre politique sécurité et incendie. Tel est, Monsieur le Président, chers collègues, le budget primitif 2019 qui est soumis à votre approbation et à votre discussion. Je vous remercie en espérant ne pas vous avoir trop endormi et avoir été trop longue. Pas du tout, Madame la rapporteure. Tout le monde était attentif, tout le monde suivait sur sa tablette. Comme il a été convenu en conférence de président, je vais laisser la parole au président de groupe, Madame le conseillère départementale du canton de l'Arbrelle. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Et encore une fois, merci et bravo à Christiane pour cette présentation très... très complète. Monsieur le Président, lors du débat d'orientation budgétaire, l'opposition que nous sommes, toujours constructive, vous a fait quelques remarques dans le but d'affiner vos derniers arbitrages avant de présenter le budget primitif d'aujourd'hui. Quelle ne fut notre surprise à la lecture de celui-ci de constater que vous avez préféré ne pas en prendre compte. Vous admettrez que vous ne faites rien pour encourager notre adhésion. À lire le rapport, nos recettes sont toujours plus contraintes dans un contexte économique et financier très incertain et vous maintenez malgré tout les taux de fiscalité inchangés. Tel était votre engagement. C'est entendable, mais forcément un peu compliqué, car votre équation affichée est la suivante. Des dépenses de fonctionnement maîtrisées pour un niveau d'investissement soutenu, financé prioritairement par un autofinancement de 78,5 millions et un recours à l'endettement limité. Moins 6,26% de recettes, mais un autofinancement maintenu et le département qui se désendette. C'est de la magie. Mais les tours de magie s'appellent aussi parfois des tours de passe-passe. Et ceux qui les pratiquent s'appellent des magiciens, mais parfois aussi des illusionnistes. Je vous en prie. En fait, il convient de regarder d'où proviennent ce que vous appelez les efforts réalisés sur notre section de fonctionnement. Quatre politiques sont mises à contribution. Premièrement, développement des territoires, économie et agriculture pour 5,3 millions d'euros. Le soutien à l'agriculture étant maintenu, c'est la politique du logement, de l'aménagement, de l'amélioration de l'habitat, des protections de notre environnement qui subissent les conséquences de vos choix. Deuxièmement, les mobilités, 7,3 millions d'euros en moins. Les infrastructures routières sont les seules qui concernent 100% de la population. Chaque citoyen en est l'usager, quel que soit son lieu d'habitation ou son mode de transport. Les 7 millions d'économies reviennent, on le dit encore une fois, à laisser l'état de nos routes se dégrader insidieusement, à charge des futurs budgets portés par de futurs élus de supporter les dépenses qui seront incontournables. Je continue. Quant aux grands travaux, petite parenthèse sur l'investissement, donc, on constate la peau de chagrin. On a du mal à comprendre vos effets d'annonces contradictoires, bien médiatisées. On rappelle également notre intervention au DOB sur notre Arlésienne locale. Et on apprécie donc la phrase humoristique dans le rapport, je cite, « Ce domaine enregistre une baisse des besoins ». Pas chez nous en tout cas. Le partenariat territorial solidaire et durable, c'est 1,7 million d'euros de raboté, c'est le troisième point. Cette aide est extrêmement importante pour les communes et notamment les plus modestes. Il s'agit, avant d'être de la générosité bienveillante à l'égard des communes, d'une contribution au développement de nos territoires, un investissement répondant aux politiques que vous portez, puisque l'appel à projet en fait la condition d'attribution.
Cette soi-disant économie, et nous répétons pour le coup ce que nous avons dit lors du DOB, n'est possible que parce que le département ne financera pas au-delà de ce que peuvent mettre les communes. On se souvient aussi de votre réponse lors du débat, mais la réalité est que l'argent ira à l'argent. Les communes qui peuvent se payer un pourcentage élevé du projet se feront bien aider, et celles qui, pour des raisons souvent indépendantes de leur volonté, n'ont pas ou peu la possibilité de s'engager, se feront moins aider. Ainsi, loin de jouer le rôle de péréquation affichée, ce dispositif commence à ressembler davantage à un outil de fracture territoriale. Quatrièmement, et on garde le meilleur, en tout cas le plus gros pour la fin, les ressources de l'institution. 16,7 millions d'euros en moins cette année, soit 26%. Cette somme interpelle. Parmi les domaines couverts par cet intitulé, un principal, les ressources humaines et sa masse salariale. Forcément, puisque comme dans toutes les collectivités, c'est le plus gros poste de fonctionnement. Comment maîtrisez-vous la masse salariale tout en œuvrant à la promotion et à la valorisation des agents ? Faire plus en ne dépensant pas. En matière de ressources humaines, les solutions ne sont pas illimitées. Elles sont généralement peu favorables aux conditions de travail et au bien-être des agents. Des départs à la retraite n'ont remplacé sans doute les effets de la restructuration, ce qui oblige les agents à se déplacer davantage. Sur papier, il y a peut-être une économie, mais nous pensons qu'il serait plus intéressant pour l'agent de consacrer son temps à son cœur de métier qu'à sillonner les routes dégradées du département pour atteindre un public qui ne peut pas se rendre à tel ou tel vestige éloigné du service public en milieu rural. Pour conclure, si vous voulez gérer la collectivité comme une entreprise, vous avez tout bon. Mais attention, il nous incombe donc de penser le budget en termes de services rendus et non comme un bilan comptable. Le Graal de la taxe stable ne doit pas occulter la raison d'être de notre collectivité. Les clients de l'entreprise Rhône sont pour certains parmi les plus fragiles et nous n'avons pas de concurrence sur le marché vers qui il pourrait se tourner. À force de déshabiller Pierre Fonctionnement pour habiller Paul Investissement, Pierre finira à poil, ce qui serait indécent. Ah, peut-être qu'on ferait une réponse. Je voyais Madame le rapporteur général qui bouillait, mais c'était bien parti quand vous avez fait votre métaphore sur la baguette magique. Je pensais que vous alliez nous faire le couplet d'Harry Potter, puisque ça peut, on peut le concevoir pour vos origines, mais vous vous êtes vite transformé en Voldemort, qui est l'horrible bonhomme qui est dans Harry Potter. Mais on va continuer. J'ai laissé la parole à le président du groupe centriste et nous faire sa vision du budget. Et peut-être que certains répondront sur les routes, sur le personnel, je vous répondrai après. Et peut-être que le vice-président de finances apportera aussi sa contribution. Mais vous étiez pourtant bien parti, mais ça s'est gâché sur la fin, madame. Allez, Daniel. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, en préalable, je voudrais également remercier Christiane Agara de sa présentation synthétique. On l'a déjà apprécié en commission des finances et j'ai même eu des demandes, si cela est possible, pour que le PowerPoint qui a accompagné sa présentation puisse être disponible, puisqu'il est encore plus synthétique et parlant que le rapport, qui lui, bien sûr, était beaucoup plus complet. Alors, un budget de continuité, un budget sans surprise et donc qui conduira à un vote sans surprise, un soutien de notre groupe. Ce budget tient compte du contexte national qui a été rappelé par la rapporteure du budget, un contexte qui conduit toujours à des aides de l'État mesurées, voire en diminution, et des règlements qui à chaque fois ponctionnent notre collectivité. Il faut aussi rappeler que suite au transfert de compétences du transport à la région, nous avons perdu presque la moitié de notre CVAE et surtout de son dynamisme, puisque quand on constate le dynamisme de notre territoire, tout ce dynamisme sur la CVAE que nous n'avons plus, nous ne l'avons plus. Et donc notre collectivité serait en bien meilleure forme si nous avions pu garder cette ressource dynamique. Parce que le contexte local, fort heureusement, est toujours positif, ça a été rappelé.
une croissance démographique, une bonne activité économique, des droits des DMTO très, très actifs qui nous permettent de réussir depuis quelques années à maintenir les fondamentaux qui sont ceux de l'exécutif depuis quelques années. Le maintien, comme le département l'a toujours été, du département dans les 3 ou 4 départements les moins fiscalisés de France. Nous avons réussi à maintenir cette position, notamment par la politique du zéro impôt nouveau. Une rigueur de fonctionnement qui se traduit par une réorganisation, par une gestion précise. Et on peut se féliciter d'ailleurs de toutes ces mesures qui sont prises pour aller encore plus loin dans ce sens, comme la certification des comptes ou des mesures qui sont actuellement en expérimentation. Un désendettement qui a fait suite à une restructuration de la dette. Alors, ce désendettement qui est annoncé au budget à hauteur de près de 6 millions, il sera peut-être même supérieur, ça peut arriver, si jamais nous ne mobilisons pas tous les emprunts qui ont été prévus, et c'est ce qui se passe depuis quelques années. Alors, bien entendu, nous avons également su préserver et même développer les reports, c'est-à-dire le fonds de caisse. Quand en 2015, nous avions un report de 46 millions qui venait de l'ancien département, nous en avons aujourd'hui un de 69 millions qui revient de l'exercice 2018. Et nous ne pouvons que nous féliciter de cette gestion qui a réussi à améliorer ces reports que nous avions retrouvés en arrivant et qui aujourd'hui sont supérieurs de près de 50%. Alors si on parle du fonctionnement, 572 millions d'euros de budget opérationnel, on peut se satisfaire que toutes nos politiques obligatoires sont assumées. Elles sont assumées avec qualité, parfois subies, parfois voulues. Les MNA, le président que vous êtes en parle souvent, mais il y a également des politiques que nous menons en matière de personnes âgées, de dépendance, en matière de personnes souffrant d'un handicap, en matière d'enfance, qui sont des politiques que nous assumons et qui sont budgétées. On peut ensuite, sur toutes les autres politiques, échanger. Comme vient de le faire Sheila avec son tempérament, on peut toujours échanger sur la hauteur de nos interventions en matière d'environnement, en matière d'eau, en matière de politique de la ville, et le débat est là pour ça. Nous pouvons également parfois préférer tel type d'engagement ici ou là en fonctionnement dans les dépenses qui ne sont pas obligatoires et qui reflètent une politique de notre département. En ce qui concerne l'investissement, je crois que le choix fort depuis quelques années et maintenu cette année, c'est d'être un acteur premier de l'aménagement du territoire, notamment par le partenariat territorial qui a, avec un effet de levier significatif, permet à toutes les collectivités qui maillent notre territoire de contribuer à l'aménagement. Pour toutes les autres dépenses d'investissement, les grandes dépenses qui sont de notre compétence, bien sûr les routes, bien sûr les collèges, notre groupe depuis plusieurs années demandait une vision, un plan pluriannuel d'investissement débattu et arrêté. Vous nous l'annoncez pour la fin de l'année et nous en sommes totalement satisfaits. Bien sûr que du coup, s'il est fait à la fin de l'année, ce sera en effet plus à nos successeurs de le réaliser en grande partie jusqu'en 2024, mais c'est bien à nous d'y penser et de le préparer. Vous l'avez compris, en jugeant chaque jour l'engagement des membres de notre groupe au sein de votre exécutif, que nous voterons sans réserve ce budget. Nous sommes maintenant dans l'attente de ce PPI qui va être en effet la grande orientation politique de notre collectivité pour les années qui viennent. Merci, Monsieur le Président, et merci à l'ensemble de votre groupe. Je passe la parole à Michel Thien. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, donc je m'exprime sur ce budget primitif 2019 au nom du groupe Les Républicains, divers droites et apparentés. En préambule, je voudrais aussi, comme mes collègues, remercier Christiane Agara pour la très belle présentation qu'elle nous a faite concernant ce budget. Mes chers collègues, nous pouvons être satisfaits des chiffres présentés aujourd'hui et des orientations prises pour mener à bien nos politiques et proposer des services qualitatifs aux Rhodaniens. Comme nous l'avions fait remarquer lors du débat d'orientation budgétaire, les efforts consentis les années précédentes étaient indispensables. En effet, nous le répétons depuis le début du mandat, nous refusons de faire payer les désengagements de l'État aux Rhodaniens par le biais d'une hausse d'impôts.
Dans le contexte national actuel, c'est un engagement qui nous honore, mais surtout qui nous engage à une gestion rigoureuse des finances de notre collectivité. Nous savions cette année que nos recettes réelles de fonctionnement allaient diminuer du fait de certaines mesures prévues, comme l'arrêt de la clause de rencontre avec le Citral, et que parallèlement les dépenses sociales continueraient à progresser, du fait d'annonces gouvernementales, mais aussi parce que la situation avec les MNA ne présage pas encore d'une compensation crédible de la part de l'État. Avec toutes les complications que cela implique aussi pour le fonctionnement normal de l'aide sociale à l'enfance. Mais nous sommes capables, malgré cela, de maintenir notre budget en équilibre et poursuivre notre désendettement, principalement grâce à des recettes fiscales révélatrices du dynamisme de notre territoire et une reprise anticipée de notre très bon résultat 2018. Or, si je cite ces deux éléments en particulier, c'est pour attirer votre attention sur les années à venir. Car qui dit bonne gestion dit nécessairement anticipation. Effectivement, malgré une gestion saine de nos finances, nous maintenons toujours les mêmes réserves quant aux décisions prises au niveau de l'État. Premièrement, nous n'avons pas attendu le pacte financier imposé par le gouvernement actuel pour réduire nos dépenses de fonctionnement. Et je ne crois pas que les départements aient besoin actuellement d'une pénalité financière supplémentaire qui pèse sur eux. De plus, nous sommes toujours dans l'expectative concernant une réforme fiscale des collectivités qui pourrait impacter négativement les finances des départements. Il ne serait pas acceptable de mettre l'autonomie financière des départements en péril et nous ne pourrons pas compter chaque année sur notre résultat antérieur. Nous ne pouvons qu'espérer que l'État agira de façon plus responsable dans les mois à venir, que lorsqu'il a décidé d'annuler l'accord avec une meilleure compensation des allocations individuelles de solidarité. Nous le souhaitons, car nous sommes satisfaits d'avoir pu maintenir le financement de compétences non obligatoires, mais néanmoins importantes pour nos territoires, tels que le sport, le tourisme, l'agriculture ou l'aménagement du territoire, avec une enveloppe de plus de 33 millions d'euros destinée à soutenir les projets structurants des communes et intercommunalités. Mais nous sommes aussi conscients des investissements indispensables qui nous incombent dans nos politiques obligatoires. Et vous l'avez souligné, Monsieur le Président, notamment en matière de collèges, ce qui impliquera des financements très importants. Aussi, si nous pouvons aborder cette année 2019 de façon sereine, nous resterons vigilants quant aux annonces gouvernementales et à l'évolution de notre budget, et nous ne devrons pas hésiter à recentrer vers ces compétences obligatoires, s'il en était besoin, pour maintenir la bonne santé financière de notre département. Notre groupe votera bien sûr sans réserve ce budget primitif de 2019. Merci, Monsieur le Président. Peut-être que Mme Margara voulait revenir sur un point. Oui, je voudrais simplement rebondir sur l'intervention de Sheila McCahan sur la partie humoristique. Je trouve que parler de tour de passe-passe et de magie pour la construction de ce budget, c'est faire injure à tous les collègues et tous ceux qui participent au travail de construction de ce budget. Parce que si elle voyait comment nous essayons de travailler sur chaque ligne de fonctionnement pour essayer effectivement de trouver des économies et pour ne pas diminuer le service public qui est offert aux Rhodaniens, je crois qu'elle n'irait pas sur ce chemin-là. Donc moi, je tiens à souligner le travail et l'engagement de tous nos collègues, parce que ce n'est pas facile. Il n'y a pas eu des journées très faciles pour essayer de trouver ces économies, mais nous l'avons fait, et c'est avec honneur que nous présentons ce budget, parce qu'il est équilibré aussi bien au figuré qu'en réalité. Donc voilà, je voulais relever ce point-là qui m'a déplu, je dois le dire. Oh, pour mémoire, je crois que c'est une vingtaine de réunions, une centaine d'heures et peut-être à peu près 30 agents qui travaillent dessus, au moins, hein, au moins. Voilà. Renaud, vous vouliez rajouter un petit mot sur le fond ? Non, bien sûr, m'associer au remerciement sur la présentation de Christiane Agara. C'est vrai qu'à mon avis, chaque année, c'est encore mieux. Donc c'est intéressant. Juste dire à Sheila que Freud disait qu'au commencement des temps, les mots et la magie étaient une seule et même chose, et j'ai l'impression que vos mots, en fait, étaient aussi à leur façon un peu magiques. Moi, ce que je vois dans ce budget, et on le verra au moment du vote du compte administratif
On imagine déjà, vu qu'on a repris notre résultat par anticipation, on voit qu'il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise parce que la stratégie, elle avait été fixée dès le début. Et tout ce qui vous est présenté aujourd'hui, tous les outils qu'on a mis en œuvre, le besoin de réaliser des économies, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une part tellement importante de notre résultat pour équilibrer notre section de fonctionnement, c'est-à-dire pour assumer nos compétences obligatoires, eh bien, je crois qu'on y est parvenu. On a apporté une certaine forme de rigueur, certainement, mais c'était aussi le fait qu'on avait besoin de connaître ce nouveau périmètre du département, qui était quelque chose de complètement nouveau en 2015. On a eu ça, le choc de la loi MAPTAM, le choc de la loi NOTRe et le choc de la diminution des dotations de l'État, dont vos amis, que vos amis politiques avaient quand même sacrément bien réussi, la diminution des dotations de l'État. Et l'enjeu pour un département comme le nôtre, c'est évidemment d'arriver, comme l'a très bien dit Daniel Pomeray, à assumer nos missions. Ça ne veut pas dire être uniquement une chambre d'enregistrement ou des payeurs d'allocations. Tout à l'heure, quand Annie Guinaud présentait notre plan départemental d'insertion, c'est que derrière ces politiques obligatoires, il y a aussi une volonté politique d'améliorer le service aux usagers. Quand on fait la réorganisation dans les territoires, l'objectif, il est bien sûr de rationaliser, mais il est évidemment d'améliorer le service rendu au public. Et la conséquence immédiate, c'est la diminution des délais de traitement pour les dossiers autonomie. Et une autre conséquence qu'on ne pouvait pas imaginer, c'est qu'en réorganisant nos services, on sécurise aussi l'institution, et ça fera partie des points qui seront évoqués lors d'une prochaine séance dans le cadre de la certification des comptes, de la procédure, de l'expérimentation de la certification des comptes de la collectivité. Donc en fait, il n'y a pas de surprise. Nos gros enjeux pour demain, ils sont simples. On a vraiment stabilisé le département et on maîtrise totalement nos politiques. Maintenant, on a un boulot à faire sur notre dette, parce qu'on a une dette qui est encore trop importante. Et si jamais on arrive à prendre les mesures aujourd'hui de maîtriser cette dette, c'est cette stratégie-là qui nous permettra demain d'avoir une PPI qui nous permet d'avoir des projets ambitieux, parce qu'on a des besoins sur les routes, c'est évoqué. Il ne suffit pas de constater qu'on a des routes pour partie dégradées. Enfin, quand on compare avec les autres départements, d'ailleurs, on voit que notre réseau routier est quand même pas mal, que nous, on met tous les moyens possibles sur la sécurisation de nos voiries, qu'on a augmenté le budget des voiries, un petit peu, mais on l'a augmenté, et que malgré tout, on a les contraintes du pacte financier. Avec, donc, l'alchimie, elle est très difficile à mettre en œuvre. En fin de compte, quasiment toutes les délibérations qu'on prend dans cette Assemblée, elles sont prises à l'unanimité parce que on est tous animés par la même volonté d'aider les plus fragiles et on connaît tous nos contraintes. Mais demain, si on fait les efforts du respect du pacte financier, ne pas payer les pénalités et surtout contenir nos dépenses de fonctionnement, si on fait l'effort sur la dette, si l'État nous offre un peu de visibilité, parce que tous les efforts qu'on a réalisés quand même chaque année, ils ont toujours été un peu anéantis par l'État qui venait mettre une nouvelle règle ou une nouvelle ponction. On a besoin de cette visibilité parce que le projet du département du Rhône, il peut en fin de compte se révéler comme étant un modèle. Je ne suis pas sûr que du point de vue des analystes, la partition Rhône métropole est pour l'instant imaginée comme une réussite. En revanche, ce qu'on peut imaginer, c'est que le département du Rhône lui-même est une réussite parce qu'il arrive à réaliser les missions
qui lui sont confiées. Et puis Hubert Reeves, il disait, m'a cherché là, parce qu'il ne faut pas toujours expliquer les choses par la science. Est-ce que la science, en expliquant les couchers de soleil, tue leur magie? Voilà. Nous, on est là pour faire que chaque matin, les Rhodaniens puissent imaginer que la journée sera ensoleillée. Merci, monsieur le premier vice-président, pour cette prose. Peut-être que, pour reprendre les propos de Christian Lagrasse sur les mots que vous n'avez pas aimés, mais peut-être que, je sais que la grammaire, l'orthographe française est compliquée, que peut-être que Sheila, elle les mettait avec un X à la fin, ce qui est quand même différent. Je dirais en termes de vision entre les mots MOTS et les mots avec un X, ce n'est pas la même chose. Chacun voit ça à l'aune de sa vision de la société. Avant de mettre aux voix et au vote, je vous rappellerai aussi, Sheila, que vous êtes avec votre binôme les seuls à n'avoir pas consommé votre enveloppe sur votre canton. Alors j'imagine que vous l'avez fait par générosité pour mieux donner aux autres, mais quand vous me dites qu'on pénalise les communes, les avez-vous pas vous pénalisé vous-même en donnant... J'essaye de terminer. En voulant redonner aux autres ce que vous n'avez pas utilisé ou ce que vous n'avez pas souhaité, flécher sur votre canton, sur ce qui est du personnel et sur la possibilité, aux agents de travailler. On est en train, vous avez peut-être devancé les travaux qu'on mène conjointement en ce moment avec les RH et puis les syndicats sur le droit à la déconnexion et sur la possibilité de travailler à domicile. Je pense qu'on va être un département assez novateur dans ce genre de choses qui sera présenté dans quelques temps aux instances pour permettre la déconnexion et pour permettre à certains de travailler à domicile. La grande difficulté, c'est que certains pourront le faire et d'autres ne pourront jamais le faire. Les agents du Rhône qui sont sur les routes, c'est difficile de travailler à domicile. Donc il va falloir trouver une juste équité dans cette vision. Et sur les économies qu'on fait sur le personnel, je vous rappelle que j'ai pris le personnel en direct, c'est 1 million d'économies. Mais malgré l'augmentation du point d'indice et malgré le GVT, on a fait en sorte que la vision que nous avions dans les promotions et que nous allons avoir dans quelques jours sur les futures promotions aille sur toutes les catégories et avec un souhait personnel qu'on aille énormément sur les catégories C. Parce que la vision que de promotion, elle doit être chez tous les agents. Je voudrais remercier moi publiquement ce qui est fait aussi en matière d'agriculture parce qu'on est sur une politique volontariste, optionnelle et Colette y contribue au quotidien et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de départements qui soient dans cette vision affichée que nous avons sur le partenariat avec le monde agricole. On a eu la chance nous, depuis que nous sommes aux affaires d'avoir toutes les inondations, la grêle et la sécheresse. On les a d'une façon récurrente chaque année, mais on est dans la vision partenariale avec les Comcom sur la grêle, et c'est quelque chose, d'important. Et puis tout à l'heure, vous sera présenté ce que j'appelle, ce que Colette appelle plutôt la phase ressources en eau, qui est quelque chose de criant, qui sera à côté de ce que met la région en place sur le plan sécheresse. Et nous, on l'a appelé d'un vocable différent, mais qui seront. Je crois qu'on est. À l'aune, de la fin de cette mandat, mais avec une PPI que nous devons avoir sur les routes. On y a travaillé hier avec M. Fournel, on le présentera à l'ensemble du département dans quelques jours, des choix importants qui nous impacteront. On a le pont de Dorieux qui est toujours en vision, et puis Belleville avec sa déviation. On est dans la phase, des dernières... récupération de terrain avec une petite propriété un peu taquine. Et puis maintenant, il va falloir qu'on s'occupe du volet environnemental avec la compensation qui est au double de ce qu'on prend et qu'il va nous falloir peut-être même aller chercher des terres dans l'Ain parce qu'on a l'avantage, c'est que les oiseaux, ça vole et qu'on est sur 4 hectares et que cette vision, j'espère bien qu'on pourra acter ce choix d'investissement sur ce mandat. Mais ça ne dépend pas que de nous, ça dépend d'un coup de tampon parisien qui nous échappe et qui est parfois de plus en plus contraignant financièrement. C'est la vision. Et puis une petite route à Condrieu qui vient de s'ébouler, pour laquelle on va être obligé d'en mettre pour 1 million d'euros. C'est nouveau, ça vient de sortir, mais c'est ça aussi, la gestion du quotidien. Voilà, je voudrais tous vous remercier, chers collègues, publiquement remercier aussi les agents du département. Parce que nous ne pourrions rien faire dans cette institution sans les agents du département qui sont la colonne vertébrale
je dirais, de notre institution, mais comme le sont tous les agents des collectivités, même si aujourd'hui l'État veut les réformer et voudrait faire en sorte qu'il y en ait beaucoup moins, il faut avoir le juste équilibre avec le nombre, je dirais, pertinent, je dirais, d'agents nécessaires. En tout cas, peut-être que monsieur le... Si on peut juste rebondir sur je vous en prie, rebondissez, madame, mais pas trop. Parce non, absolument pas. Faites attention de ne pas déplacer le plafond de verre. Non, c'est très succinct. Effectivement, Renaud, pour répondre à tes points, on avait déjà salué le travail sur le désendettement, il n'y a pas de souci. Tu m'as dit, il n'y a pas de surprise. Non, on n'est pas surpris. Loin de nous de vouloir vous reprocher un manque de cohérence. Et pour répondre à Christiane, je ne voudrais pas te déplaire. Et donc, je remets sur les rails. C'est plus sur l'idéologie. C'est absolument pas sur la construction, le travail de construction du budget. Je comprends bien ce que je voulais dire. On sait bien ce que ça demande que de construire un budget et le travail des services est énorme. Et dernièrement, Monsieur le Président, vous nous reprochez cette fameuse enveloppe d'aide aux communes. On nous avait dit qu'on ne pouvait pas dépasser ce qu'on nous demandait. Les demandes étaient en dessous du plafond et vous le savez très bien. Et quand on vous a demandé si on pouvait accompagner davantage pour remplir notre quota, c'était une fin de non-recevoir. Donc voilà, pas de magie là-dedans non plus. Merci. En tout cas, certains maires de votre canton auraient été satisfaits d'obtenir le reliquat de ce qui restait dans l'enveloppe que vous n'avez pas attribué. Ça, c'est ce que disent les maires m'ont dit. Et vous parlez des rails, sur le bon rail, on sait très bien que pour faire avancer le train, il faut les rails de droite et les rails de gauche. Faisons attention que c'est une vision, je dirais, ce que certains voudraient ne plus voir aujourd'hui, mais ça existe toujours dans la philosophie des uns et des autres. Allez, je mets cette présentation qui nous a été faite budgétaire de Mme Agarra au vote, que je remercie encore. Et ça, c'est le choix d'un bon binôme, ça, Christiane. Au vote, qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui vote contre? Qui est-ce qui vote pour? Donc, le budget est adopté par l'ensemble des conseillers départementaux, moins deux votes contre nos amis du canton, je dis bien nos amis du canton de l'Arbrais, mais qui prendront certainement leur notation. On est d'accord. C'est là une forme intellectuelle qui est un peu surprenante, mais c'est comme ça. C'est ce qui est à moi est à moi, ce qui est aux autres, on le partage. Mais ça, c'est toujours été un vieux dicton chez nos amis progressistes et que je vois que vous connaissez encore bien. Voilà. C'est toujours, je crois, Christiane Agarra qui est dans le rapport suivant sur le patrimoine, sur le rapport 4.1. Oui, Monsieur le Président. Bien, écoutez, ce rapport est un peu dans le prolongement de ce que nous avons évoqué dans le budget, c'est-à-dire qu'il concerne l'étude démographique que nous avions demandé à l'agence d'urbanisme pour nous aider dans la vision sur notre collège. En effet, le 27 octobre 2017, notre commission permanente avait approuvé le programme d'action de l'agence d'urbanisme et dans lequel ne figurait pas cet accompagnement pour l'étude prospective, et c'était un montant de 15 000 euros. Donc, cette étude a été motivée par les adaptations de la carte scolaire des collèges et donc rendue nécessaire par les variations du nombre d'habitants dans les communes. Vous l'avez entendu, des gros investissements dans le futur seront nécessaires et nécessitent des anticipations sur 5 à 6 ans. Et donc, le département a souhaité disposer de projections de collégiens à un horizon plus lointain. L'objectif de l'étude est d'estimer l'évolution du nombre de ces collégiens à moyen terme, l'horizon 2030, d'après des projections statistiques, mais également sur la base des orientations des documents d'urbanisme. Alors, l'agence d'urbanisme a rendu une première étude en mars 2017 qui portait sur 40 communes et en juin 2018, l'étude a été complétée par 3 autres secteurs, Villefranche-sur-Saône, Anse et l'Est lyonnais de Jonc à Chaponnet. Alors, pour tenir compte de ce besoin, il vous est proposé de signer avec l'agence un avenant à la convention partenariale 2017-2018 pour un montant de 15 000 euros qui s'ajoute aux 33 750 euros de la convention initiale. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport au vote tel qu'il nous a été présenté. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Je vais laisser la parole pour un rapport. Attendu, ce Fournel, vous allez nous parler du rapport, mais peut-être aussi d'autres éléments qui pourraient satisfaire aux interrogations de certaines de nos collègues. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, donc aujourd'hui nous avons à passer deux conventions.
avec maîtrise de délégué aux communes et avec récupération de TVA, et un cofinancement du département à la hauteur de 59 322 euros. Il s'agit des communes de Saint-Vincent-de-Reims pour un montant de 17 000 euros et la commune de Vindry-sur-Turdine pour le bourg de Pontcharra pour un montant de 42 300 euros. Voilà, donc deux conventions approuvées. Je mets donc le rapport tel qu'il nous a été présenté par M. Fournel aux voix. Pas de, d'abstention, pas de vote contre. Et je vais donner. Donc il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vais donner la parole à Mme Jury qui remplace notre collègue Antoine qui est absent aujourd'hui. Il vient de perdre sa main hier, je crois, ou avant-hier. Et on lui transmet, je dirais, au nom de la collectivité, nos pensées les plus amicales et les plus sincères. Christiane, vous avez la parole. Eh bien, Monsieur le Président, chers collègues. Le rapport que je vous présente aujourd'hui, c'est pour la mise en œuvre de la politique départementale des espaces naturels sensibles du département en 2019. En application du Code de l'urbanisme, le département a la compétence pour mettre en œuvre une politique de préservation et de gestion d'espaces naturels sur son territoire sur la base de la réalisation d'un inventaire et avec les moyens qui proviennent de la part ENS de la taxe d'aménagement. L'inventaire révisé en 2013 répertorie 45 sites, dont 8 sont partagés avec la métropole. Donc, ce rapport vous présente les conventions de partenariat entre le département et l'ensemble des structures œuvrant à la connaissance, à la protection, à la gestion et à la mise en valeur de notre patrimoine naturel de notre cher Rhône. Ces partenariats permettent de mettre en œuvre des actions de gestion sur certains sites ENS du département, en concertation avec de nombreux acteurs qui sont les collectivités locales, les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, les randonneurs, les naturalistes, etc., etc. Le but de cette politique est de proposer un cadre de vie de qualité aux Rhodaniens. L'incidence budgétaire de ce rapport n'est pas neutre. 343 988 euros en fonctionnement et 97 936 euros en investissement. Les subventions objet de ce rapport sont donc d'un montant total de 441 924 euros, dont 254 575 pour les conventions avec toutes les associations partenaires, Conservatoire botanique national du Massif central, Conservatoire des espaces naturels du Rhône, CPIE des Monts du Pilat, Fédération des chasseurs, Fédération des pêcheurs, Arthropologia, France Nature Environnement, etc. Et 187 349 pour les conventions avec les collectivités locales, toutes donc les EPCI, CCPA, CCSB, CCVG, CCVL, Copamos, MAGA, Saint-Romain-en-Gal et le Parc naturel régional du Pilat. Donc voilà, le total de ce rapport, c'est 441 000 euros. Merci madame. S'il n'y a pas de questions, je mets le rapport voix tel qui vous a été présenté. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Je la passe la parole à M. Valero qui va nous parler de logement sur le rapport 4-4. Merci Monsieur le Président. Donc je vais vous parler du Fonds de solidarité pour le logement 2019, le fameux FSL. Dans ce cadre-là, qui est une compétence obligatoire du département, différentes aides financières et mesures d'accompagnement sont proposées aux ménages les plus démunis. S'agissant tout d'abord des aides financières de 2019, le présent rapport présente la ventilation des crédits concernant, je ne vais pas tout vous signaler, mais l'accès au logement pour 250 000 euros, l'aide aux impayés de loyer, 170 000 euros, et l'aide aux impayés d'énergie, d'eau et de télécommunications, représentant une dépense de 210 000 euros, avec en parallèle 120 000 euros de recettes attendues pour le département et 43 000 euros de contributions des fournisseurs. En complément de ces aides financières, pour mener à bien la mission d'accompagnement social en faveur de l'accès et du maintien dans le logement, il est proposé de conventionner avec 9 opérateurs spécialisés, listés dans le rapport, pour un montant de près de 300 000 euros, répartis sur les années 2018 et 2019, en fonction du réalisé de chaque opérateur. Enfin, au titre de la gestion locative adaptée, il est proposé de poursuivre en 2019 la participation du département par le financement des suppléments de dépenses de gestion d'organismes à but non lucratif, qui sous-louent des logements à des ménages défavorisés ou qui en assurent la gestion immobilière. Le budget proposé pour 2019 est de 27 400 euros,
répartis entre les associations Éloge, Entre deux toits, Grimm, Lema et Alinéa. Monsieur le Président. Merci. S'il n'y a pas d'intervention sur le rapport, je le mets aux voix tel qu'il a été présenté. Pas d'abstention, pas d'autre compte. Il est adopté à l'unanimité. Je passe la parole à Colette Daffin pour nous parler d'agriculture. Je voudrais revenir d'un mot sur ce qui s'est passé cette semaine, Planeta Pro, pour lequel le département a été partenaire. C'est un très beau salon qui revient tous les deux ans. Monsieur le maire de Villefranche, nous sommes permis d'aller à Villefranche pour ce bel événement qui était au-delà du département, qui était aussi conjoint avec Métropole, mais aussi avec les départements voisins comme l'Ain et l'Isère. C'était un très beau moment de ce que sont nos savoir-faire agricoles et plus particulièrement celui du Rhône. Merci encore pour l'implication que vous avez eue et vous nous présenté ce qui a été un long travail de collaboration avec l'État et la Chambre de l'Agriculture sur ce qu'on appelle le communément les ressources en eau. Colette, vous avez la parole. Merci. Effectivement, une année 2018 marquée par un phénomène de sécheresse particulièrement important et durable sur l'été et l'automne, suivi d'un hiver très doux entraînant un constat inquiétant des nappes d'eau souterraines et des ressources en eau déficitaires dès ce printemps. Le préfet du Rhône a pris un arrêté pour la première fois aussitôt dans l'année, dès le 1er mars jusqu'à fin octobre, plaçant le département et la métropole en situation de vigilance sécheresse. Des changements s'opèrent et risquent de s'accentuer dans les années à venir. Il est nécessaire de s'adapter à ces phénomènes. Dans un souci de solidarité vis-à-vis de l'agriculture de notre département, toutes filières confondues, je vous présente et soumets à votre approbation le plan ressources en eau pour les exploitations agricoles. Une enveloppe de 800 000 euros sur 3 ans, 2019-2021, permettant l'attribution d'aides aux agriculteurs dans le cadre d'investissements relatifs à l'autonomie en eau pour lutter contre les périodes de sécheresse. Le plan départemental envisage de soutenir cet accès à la ressource en eau de différentes façons et ne devront pas se substituer à un réseau de raccordement au SMAR. Ils devront être réalisés dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment avec les arrêtés sécheresse, et également être en cohérence avec les zones sur lesquelles ils seront réalisés, notamment sur les secteurs déclarés au SAGE en déficit quantitatif, les nappes de l'Est lyonnais, du Garon, les bassins versants du Gier et de l'Iseron. Notre plan se décline en deux phases. Des aides pour les forages, puits et tout système de récupération des eaux de toiture destiné uniquement aux besoins professionnels pour l'abreuvement du bétail, mais aussi à l'irrigation des parcelles cultivées en arboriculture, maraîchage, céréales, fourrage et petits fruits. Les dépenses éligibles devront être comprises entre 2 500 et 15 000 euros hors taxes. Le plafond d'aide 6 000 euros par exploitation, un taux de 30% des dépenses et une bonification de 10% d'aide supplémentaire pour les agriculteurs qui ont été exclus du zonage ZDS. Le plan régional filière apporte pour le moment des aides aux éleveurs de la filière bovin-lait pour l'abreuvement du troupeau. Le plan départemental n'a pas vocation à se substituer à notre plan. Les éleveurs de la filière bovin-lait devront continuer à s'adresser à la région dans le cadre du plan régional. La deuxième phase, les aides pour les études de faisabilité préalables à un projet de ressources en eau individuelles ou collectives qui seront financées quel que soit le type de projet envisagé, forage ou retenue collinaire. Le coût des études et leur conditionnement à l'aboutissement des projets sont souvent un frein à leur réalisation. Volonté du département de prendre en charge fortement l'étude de faisabilité préalable à la réalisation des ouvrages et d'inclure dans l'étude la réflexion sur les besoins réels du porteur de projet. Des aides d'un taux de 60% limitées à 15 000 euros pour les projets individuels et 30 000 euros pour les projets collectifs, dotées d'une 10% de bonification d'aide supplémentaire pour les agriculteurs qui ont été exclus des zonages ZDS. Bien entendu, chaque dossier devra contenir toutes les données agricoles, justificatives des besoins, état des lieux, études techniques, économiques, financières et environnementales des différents scénarios individuels et collectifs. La phase d'investissement pourra émerger au PDR. Le département du Rhône soutient des projets d'irrigation individuelle et collective, les mesures 415 et 434. Bien entendu, ces investissements et ces aides relèveront d'un cadre réglementaire, notamment des aides de minimis, et les ouvrages sont soumis à déclaration et autorisation préfectorale. Le département privilégiera les projets collectifs et surtout les solutions pérennes afin d'éviter que des projets destinés à l'agriculture et soutenus financièrement par des fonds publics ne soient abandonnés au fil des ans ou ne se transforment en ce qui concerne les retenues collinaires en plans d'eau de loisirs perdus pour l'agriculture. En cas de transmission, ces ouvrages devront être transmis aux repreneurs de l'exploitation sous réserve de la restitution de l'aide départementale. Je soumets donc à votre approbation ce plan ressources en eau pour les exploitations agricoles du Rhône, établi pour 3 ans, 2019-2021, pour un montant de 800 000 euros. Un plan très attendu par le monde agricole, une volonté affirmée du département, bien conscient que les agriculteurs sont indispensables à la ruralité,
qui sont particulièrement dépendants du climat et nous devons les aider à muter et adapter leur système de production pour la pérennité de leurs exploitations. Merci Madame. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce rapport que je qualifierais d'un beau rapport et vous noterez qu'on a une attention particulière sur les zones défavorisées et qui ont été lâchement abandonnées par certains parlementaires. Voilà, on ne va pas refaire l'histoire politique de ce département, mais il y a certaines parties du territoire du Rhône qui ont été, je dirais, laissées en friche par ceux qui les représentent à l'Assemblée nationale. Je mets donc le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Et les agriculteurs du Rhône vous en remercient. Et merci Colette encore. Toujours Colette. Alors, je reviens vers vous. Pour les partenariats avec les organisations agricoles, tout d'abord pour le GDS du Rhône, avec une subvention de 300 000 euros, le premier pour les risques sanitaires et de santé publique. Deuxième convention pour le service de remplacement, avec une subvention à hauteur de 47 500 euros. La troisième convention, c'est avec la Chambre d'agriculture, notre partenaire historique et privilégié, pour une enveloppe de 642 000 euros en fonctionnement, couvrant le volet politique sociale de notre département, la politique départementale, les thématiques territoriales et la promotion du territoire et des métiers. Une seconde enveloppe pour la Chambre d'agriculture à hauteur de 120 000 euros en programme d'investissement pour l'accompagnement auprès des porteurs de projets en investissement dans le montage de leurs dossiers dans le cadre du PDR. Quatrième convention avec le laboratoire vétérinaire départemental pour 50 000 euros en fonctionnement. Et puis un dernier point, une petite parenthèse dans ce rapport, c'est de revenir sur une délibération du 15 décembre 2017 pour les vergers du CRI à Chavernières. On a 10% de majoration à apporter sur l'enveloppe qui avait été donnée de 24 355 euros. Cette exploitation est en effet située en zone de montagne, donc nous devons apporter un complément. C'était pour l'achat de tunnels et filets anti-hydrosophiles et brisants sur le fraisier. Voilà. Merci. Président, tiens, vous avez demandé la parole. Oui, Président, excusez-moi, c'était pas, on aurait pu le mettre avec débat, mais mon intervention sera assez courte. Simplement, aujourd'hui, l'agriculture subit un agribashing sans précédent. Donc, et je trouve qu'il est réconfortant que notre institution, justement, soutienne tous les agriculteurs. Donc, voilà, Monsieur le Président, ce que c'est, je voulais dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, des gens comme Madame Lucet passent leur temps à expliquer ce que l'agriculture française est de détestable. Elle oublie simplement qu'il y a des hommes et des femmes qui en vivent, et c'est des hommes et des femmes qui font aussi, qui nourrissent les autres. Je crois que vous l'avez souligné, je crois que l'agribashing entre les végans, les espèces de danseurs aux pieds nus qui sont autour et certains journalistes, c'est terrible. Voilà, je crois que nous, le département du Rhône, avec nos partenaires que sont la Chambre consulaire, la Chambre d'agriculture, on a un vrai partenariat. On se vient parfois en plus de ce que certains ont laissé comme l'État, parfois qui se désengage. Je vous parlais tout à l'heure des zones défavorisées. J'espère qu'avec ce partenariat, ça leur permettra de nous fournir des bottes de paille pour le Tour de France. C'est un partenariat aussi qu'il nous faudra avoir. Je rappellerai à Sheila que le dernier Tour de France a quand même été gagné par un Anglais. Donc j'espère que... Allez, si, le Thomas qui est anglais en 2018. J'espère que les contraintes et les bus qu'on mettra ne permettront pas à l'Angleterre de s'illustrer une nouvelle année sur le territoire du Rhône. En tout cas, juste une précision, si je peux, Monsieur le Président, déjà vous m'avez traité de Voldemort à l'heure, maintenant non, vous me traitez d'anglaise. Je voudrais pas je que vous suis écossaise et ça ne va pas passer. Mais la baguette magique va loin, Madame, vous le savez très bien. Donc je mets ce rapport avec les annexes qui en découlent au vote. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté à l'unanimité et nous en avons fini avec les rapports à l'ordre du jour. Vous rappelez que la prochaine séance sera décentralisée, que nous serons à Vaugneray à l'invitation du maire de Vaugneray. Merci Daniel et que nous pourrons aller dans cette belle salle, comment on appelle ça, une salle multi-activité pour laquelle le département a apporté son soutien. Que la séance prochaine d'après en juin sera dans le canton de l'Arbrelle.
et qu'il nous restera en séance décentralisée à régler le sort du canton de Genas, de Tarare et de Brignais. La séance est close, finie, levée. Et nous retrouvons ici, sans le public, pour la commission permanente où nous allons commencer à dépenser ce que nous avons, je dirais, voté à l'instant. Monsieur, vous avez la parole avant... Juste avant qu'on finisse, je pensais qu'en punition, Sheila pouvait nous chanter l'hymne écossais qui est magnifique. Oui, mais on va attendre que la séance soit levée pour faire ce genre de choses. Je veux dire, et pardon, monsieur... Il fait beau aujourd'hui, c'est ce que elle m'a demandé. Vous voyez, on arrive presque à être dans une communion de pensée. Pas encore dans le vote, mais on va y arriver. Je vous accorde quelques instants pour aller vous laver les mains pour ceux qui le souhaitent. À tout de suite.